Wesh les gars, c'est Pinto, c'est aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne de Yesco. Déjà, tout d'abord, merci à Yesco de m'accueillir sur sa chaîne pour que je fasse une petite promotion de ma chaîne, de la chaîne de la Zone Academia. Alors, merci. Merci. La Zone Academia, c'est quoi, dis donc? Dis donc, c'est quoi la Zone Academia? Jean-Michel, tu te calmes. Alors, la Zone Academia, c'est quoi? La Zone Academia, c'est deux mecs qui se tapent des délires, donc Nero et moi Pintos, on se tape des petits délires, on fait du multigaming principalement sur la chaîne. Donc vous pourrez retrouver des vidéos de Bleach, de One Piece, de Naruto, de Dokkan, des news en folie, des vidéos un peu what the fuck, moi je fais des présentations de manga. Après, on va pas se le cacher, on va commencer à s'orienter sur des petits trucs un peu différents de ce que vous avez l'habitude de voir, on va dire autour du monde Bleach. C'est vrai que si je prends vraiment en termes de YouTuber Bleach, vous allez avoir pas mal de YouTuber Bleach qui vont vous proposer des invocations. On vous propose des invocations sur Bleach, bien entendu, et sur tous les autres jeux qu'on vous présente aussi. Après, on fait pas forcément des gameplay de personnages. Alors moi déjà c'est pour par souci technique. J'arrive pas à recorder mon écran de téléphone vu que c'est mort et je peux pas mettre un émulateur sur mon ordi, mais bref, passons les soucis techniques. Ensuite, on n'est pas là forcément pour jouer sérieusement. Nous on est là vraiment pour s'éclater. On fait une vidéo quand ça nous fait plaisir. Donc bien sûr vous avez des vidéos informations, que ce soit sur le jeu Bleach, sur Dokkan Battle, sur Naruto, sur One Piece Thousand Storm, sur One Piece Treasure Cruise. Après, en fonction des différents jeux, ce sera soit plus Nero qui fera les vidéos, soit moi un peu plus. Donc moi je suis plus vraiment basé sur du Bleach, hein. Je suis un ancien joueur de Bleach, hein. J'ai commencé le jeu. Déjà quand il était en anglais, donc ça vous montre une idée de. Ça va pratiquement faire plus de 2 ans que je joue au jeu. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Hein. Après j'ai pas la science infuse sur le jeu Bleach Brave Soul. Ensuite Nero, bon il est un peu, on va dire un peu plus nouveau. Ouais, ça se dit, il est un peu plus nouveau sur la chaîne, sur Bleach. Donc il vous proposera du contenu plus qui va être en rapport avec des invocations. Il va faire quelques gameplays. D'ailleurs, vous allez voir un gameplay de personnage en fond. C'est Nero qui l'a réalisé. Parce que mon Nero ne peut pas être présent là actuellement, comme vous pouvez le voir, car c'est moi qui fais la présentation. Autrement, moi je vais faire aussi, je vous propose du One Piece Treasure Cruise. Donc, petit jeu sympathique sur mobile. Ensuite, Nero, il fait beaucoup plus les vidéos qui va toucher à Dokkan, à One Piece Thousand Storm. Il fait un peu de Naruto, donc c'est plus des invocations qu'il fait sur Naruto. Donc, vous voyez, on a du contenu divers sur la chaîne. Moi, je vous propose aussi ce que j'appelle les interviews de youtubeurs. En fait, je prends des youtubeurs qui sont en relation avec le jeu Bleach et je leur pose des petites questions en rapport avec le jeu pour avoir leur avis. Vous avez bien entendu l'interview de Gasco qui est déjà sortie et que je vous invite à venir voir et à liker, bien entendu. Autrement, je vous propose un concept aussi un peu autour des mangas. En gros, je vous donne 3 points forts et 3 points faibles d'un manga. Si vous kiffez, vous allez voir le manga, vous courez le voir. Sinon, si vous n'avez pas kiffé, vous n'allez pas le voir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Merci, Captain Obvious. C'est comme ça, il n'y a pas de problème, bien entendu. Je vois pas d'autres choses à vous dire, hein, à part que il va y avoir sûrement des nouveaux concepts qui vont arriver sur la chaîne. On va faire, je pense, beaucoup plus de vidéos en duo avec Nero. Donc voilà, après, attendez-vous à des vidéos un peu what the fuck. Je pense que je ferai du montage sur cette vidéo pour vous montrer ce qu'on est capable de faire. Et histoire de kiffer un peu votre life là-dessus aussi. Donc voilà, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si c'est le cas, si vous ne m'avez pas écouté jusque-là, vous n'êtes pas au courant de ce que je viens de dire. Si vous pouviez vous abonner, ça nous ferait extrêmement plaisir à Nero et à moi. Vous laissez un petit like sur cette vidéo, ça serait kiffant aussi. Parce que d'un côté, pour Yasko, ça lui permettrait d'avoir sa chaîne qui serait bien référencée. Et puis pour nous, ça nous montrerait que vous avez kiffé ma petite présentation. Voilà.
Bon voilà, c'est tout. Donc je vous remercie. Et moi je vous dis, comme je vous le dis d'habitude sur ma chaîne, sayonara les gars, et à plus.